Chers amis, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue pour un poème, un jour dans la cité. Je salue aussi mes amis d'Ukraine et de Russie, particulièrement Irina et Denis, auxquels je pense énormément et que j'embrasse avec une amitié profonde. Je vais vous dire aujourd'hui quelques extraits de textes de Maria Stepanova dans son recueil Le corps revient contre le lyrisme. Nouvelles éditions Place. Très très joli livre. Et une écriture ciselée. À tout mettre en tas, il a été dit ceci. Elle n'est pas capable de parler pour elle-même. C'est pourquoi dans sa poésie, la rime est obligatoire. Et la falsification de formes anciennes, son matériau, n'offre pas de résistance. Il l'embrasse sans amour. Il reste là. Immobile. Des comme elle, on les plante sur un tabouret. Allons, récite-nous, oh combien de marins. Des comme elle, l'époque soviétique en faisait des traducteurs mesurés, exacts. Où est son jeu qu'on l'offre sur un plat? D'où vient qu'elle parle en langue? Disons, emprunté, entre guillemets, qui est sans jeu ne peut rien emprunter. Qui est sans jeu doit aller mendier, contrefaire le coin, le pot de moutarde, le chat, et même alors personne ne le croira. Je suis un bagel, dit celui qui parle sans soi. Certains sont garnis de crème, moi de bien autre chose. Certains ont au-dedans tout ce fourbi, nature, culture, galette de pommes de terre, pierre brûlante. Et moi, j'ai un trou, une béance, un vide. Je suis la terre, j'envoie mes enfants dans l'espace. Quand, venus de l'Est et du Sud, les bouches des convives, les dents des locataires m'auront mâchouillé tout entière, quand le Prest Zéro aura léché toutes les miettes, la langue aiguë du feu parcourra les greniers. Je ne resterai pas là à onduler dans l'air, à laisser flotter ma substance sonore, à scintiller sur l'eau tiédie, à boire sur des lèvres jamais sèches, le lait et l'alcool. Celui qui est sans jeu, il peut se permettre de tourner la page, se sauver si ça le démange. Le tramway, le 10 arrive. Puchstein est mort à l'arrière, mort, passé et trépassé. Reste du sirop des rêles. Théomorphe demi-dieu farfouille la tourbe en feu. Près de Tchardin et Biesloy, à la gare de Tsarkoï, I. F. Enensky, poète, à périr d'ennui s'apprête. Et tout le baraquement en pleurs ne peut se repaître de voir son muscle cardiaque sous la dent du Gabriac. Non, je ne serai pas sage, s'indigne le lycéen, que Volochine les baise, que le barbu et ses aises, mansarde,
gare ou cyprès, bloc est apparu. Bon vent, sous le soleil d'Alexandre, sur l'échiquier des poètes, Poliakov passe devant. Luisent les babas de pierre en s'effritant en poussière. Tchaklov, l'aviateur, lit Schwab. Ils glanent au milieu des champs, laissant leur engin chercheur, scrutateur d'horizons lointains, Glazova et Barskova vont écouter leur programme. Croix, croix, croix. Les corbeaux sont dans les bois. Ils mangent de la soupe au pois avec une cuillère en bois. Mourir comme on balait par terre, ne pas s'entêter de trop, ressusciter quand ça pourra. Les gamins, en vacances, jouent au dieu de l'Olympe et ensuite à la Gestapo. Bah, quelle différence! J'ai fait un rêve. La nuit, en voile de mariée, un champ de maïs, un ventre de pastèque, le mitrailleur sous l'étoile, comme il trouve les mots pour parler à sa mitraillette. Emmailloté, doucement bercé sur son sein. Dors, ma scabieuse, ma fleur de pavot. Le soleil va revenir du sud, et à la bouche du métro, une jeune vie va musiquer sur un accordéon des Cathy. Et les petits soldats, dans un pot, garderont la cendre légère. Voilà, je vous remercie. Je ne peux que vous inviter à lire Maria Stepanova. Je vous donne rendez-vous pour un poème, un jour, dans la cité. Je vous attends.